Donc c'est une manifestation qui est organisée par l'association Autour de Pierre Bayle, que je préside avec de nombreux bénévoles qui ont préparé cette journée. Alors ça va être très simple, on va faire cette manifestation en deux temps. Premier temps, nous accueillons M. Jacques Picard, qui est un grand collectionneur de dictionnaires, qui est notre voisin puisqu'il habite rue Volvestre. Donc c'est un collectionneur de dictionnaires passionné et passionnant. Bien, vous allez avoir l'occasion de vous en rendre compte. Ça, c'est le premier temps. Et deuxième temps, à peu près au bout d'une heure, nous monterons à l'étage découvrir la fameuse exposition de dictionnaires que nous avons réalisée grâce à M. Picard. Et vous allez faire une activité durant laquelle vous allez être prise en main par une collègue. Où est-elle, Eva? Donc, ça, elle arrive. Eva Rothenberger, qui est une enseignante-chercheuse de l'université d'Augsbourg, et donc qui a travaillé sur le dictionnaire de Pierre Bayle. Elle vous a préparé une petite activité in situ avec les dictionnaires. Donc, je voudrais remercier votre professeur, Madame Schulz, d'être venue avec vous, et je vous souhaite une bonne après-midi. Et nous allons commencer en compagnie de Monsieur Picard. Merci.